le Centre du Rosé, c'est un centre de recherche unique en son genre, créé il y a 20 ans par des vignerons de Provence qui souhaitaient faire avancer la qualité et la cause du vin rosé. Alors le projet Mycovigne nous a permis de regrouper quatre interlocuteurs assez différents, avec des métiers très différents, donc la banque, le Crédit Agricole, bien sûr, le château Sainte-Roseline qui nous accueille aujourd'hui, un cru classé prestigieux de Provence, le Centre du Rosé, hein, recherche et expérimentation sur le vin rosé, et puis Mycophyto, cette start-up qu'on a suivie attentivement et qui a apporté une solution extrêmement intéressante pour la qualité du vin, les vignes, la résistance aux maladies et le changement climatique. Ce concept tout simple de prélever dans le sol des champignons, des micro-organismes naturellement présents, de les faire se multiplier et puis de les restituer au sol autour des vignes pour qu'ils profitent encore mieux à la vigne par une symbiose qu'on appelle la mycorhize. Et donc cette hypothèse scientifique, cette idée, nous a paru extrêmement séduisante. Très précautionneux et à la fois inquiet des évolutions climatiques, de changements et de dérèglements de chaleur, de pluie intense. Et aujourd'hui, on s'aperçoit clairement que la vigne, à partir du moment où on décide de moins l'aider avec un passage en agriculture biologique, par exemple, a besoin d'être stimulée comme on pourrait stimuler les défenses naturelles d'un être humain qui refuse de prendre des antibiotiques. Au château Sainte-Rosine, on a 10 cépages différents qui peuvent tous être utilisés dans la conception du vin rosé. Et il est clair qu'on essaiera, si cela fonctionne sur les grenages, d'amener ça sur d'autres cépages que je vais caractériser de primaires dans l'élaboration du rosé et aussi un peu fragiles. Donc ça peut concerner le grenage, bien sûr, et d'autres parcelles. Mais peut-être aussi des cépages un peu plus connus comme dans le blanc comme le roll, mais qui peut également aller dans les rosés. Et puis, pourquoi pas des cinceaux ou des cépages qui sont nécessaires dans l'élaboration du rosé.